Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un 4 fois 10 reps. Enfin, non, pas du tout. On va se faire un 10 fois 10 reps en dips. Un 10 fois 10 reps en dips. Donc, j'ai pris ces barres là, d'accord? C'est soit tu as des barres à dips, soit tu n'as pas de barres à dips, tu fais ça dans un parc de street workout. Ou sinon, tu prends des chaises. Et tu fais ça avec moi, d'accord? 10 fois 10 reps. On va se faire mal. On va essayer de prendre seulement une minute de repos. Ok? Prépare-toi bien. Prends ta bouteille d'eau et on commence. Bien entendu, si une minute de repos c'est trop dur, je prendrai 1 minute 30. Mais on va essayer de rester une minute. Et on va se faire des dips normales, hein. Du style, hop, je descends. Je monte, d'accord? On va pas faire des dips où je monte, je reste bloqué 8 secondes, je descends. Non, on va faire un mouvement normal, ok? Bon, mon chrono, je remets à zéro. Et c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je mets mon petit trait. Hop, le temps de repos. J'essaie de voir si. Ouais, là je serais bien comme ça. Tu vas bien voir le triceps. Ouais, là on est mieux là, tu vois. Organisation de merde toujours, mais bon. Au moins, on fera les choses bien. Hop, mon retour caméra. Je le mets là. Très important, on n'est que à 20 secondes. Ça va. Première série. Top. Oh. Les dips, c'est important. Si tu veux des bons triceps, dips, tu vas devoir les bosser et les manger. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va faire les choses bien pour ça. Et là, juste avant cette vidéo, j'ai fait mon programme pectoraux. Et comme je suis un fou, je me suis fait, bon, j'ai envie de faire un 10 fois 10 reps. Mais en quoi? J'ai vu ça, j'ai fait, c'est parti pour les dips. Oh. Je vais le faire aussi pour les pecs, 10 fois 10 reps. Mais pas aujourd'hui. Hop, une minute, c'est parti, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, effacer, bam, le deuxième trait. Super. Réaction à chaud. C'est facile. Pour l'instant, c'est facile. Je suis à 2 séries de 10. Les dips, je les mangeais. En plus, le temps il passe lentement. Je vais les manger. Les 10 fois 10 reps. Normalement, si tout se passe bien. Ça, c'est bien si tu veux faire ça en fin de séance. Par exemple, la séance que j'ai fait au DPEC, tu peux faire ça à la fin. Tu vas avoir mal, mais tu peux faire ça à la fin. C'est possible. Ou par exemple, tu travailles tes biceps, tu fais tes triceps à la fin. Ou tu fais une séance triceps, tu fais tes dips à la fin. Tu vas avoir mal, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tu veux progresser, il faut avoir mal. C'est important. Hop. 57, 58. Ok, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, troisième trait. Ouh. Pour l'instant, ça va encore. Je suis concentré. On n'est pas arrivé à la moitié. Mais ça va. Je suis un peu essoufflé. J'essaye de me retenir. Mais là, je me dis, on n'est qu'à la troisième là. Je suis déjà essoufflé. C'est pas bon. Le triceps, il ressort bien. Et ce qui va me faire le plus mal, c'est l'endurance. D'accord? Parce que la force, je l'ai. Mais quand mon triceps, il va commencer à être bien gros, bien contracté, bien congestionné, ça va commencer à faire mal. Pour l'instant, ça va. Même si que je sens que quand je monte, je fais, ah! Quand même, c'est chaud. Mais ça va aller.
57, on va se placer et repartir. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh, ouais, je pense que ça va être à partir de la cinquième que tout va commencer. Pour l'instant, ça va, clairement. Oh. Tu vois ces séances-là, c'est assez intense. Le temps de repos, il passe vite, d'accord. Tout à l'heure, c'était lent, mais voilà, là, je commence à avoir mal, donc ça va vite. Le temps, il passe vite, ça fait mal. Donc, faut que tu sois concentré, d'accord. Mets une musique, mets un truc, mets-toi dans un mood de combat, tu vois, et fais les choses bien. Moi, tu vois, quand je suis dans un état comme ça, je mets des musiques sans parole, tu vois. Là, c'est fini, les rap US. Non, il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. Je veux rien comprendre. Je veux juste avoir mal, tu vois. Là, il faut se faire mal. Donc, fais les choses bien par rapport à ça. Mets-toi dans un mood de combat, ok. Et si t'as pas de musique comme moi, dans la tête, pense à la guerre, pense à des trucs sombres. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, 5. 5. Je ne cache pas. Mes triceps commencent à être bien congestionnés. Je me vois au miroir. Retour caméra. Petite pause. Ouais, mes triceps, vraiment, ils commencent à être bien. Ils commencent à me faire mal. Ça commence à me faire mal. Ça qui est bon. Ça commence. Ça me fait pas mal. Ça veut dire qu'on peut continuer. Et je peux rester à une minute de repos. Clairement, pour l'instant, je peux rester. Je vois aucunement l'utilité de monter à 1.30. À partir du moment où je fais les 10 reps tranquilles, sans résistance, sans j'ai mal, je peux pas faire la dixième, c'est mort, tu vois. Si j'arrive pas à faire la dixième à la fin, ouais, là je monte clairement. Si je peux la faire aisément, j'ai mal mais je peux la faire, je reste à une minute de repos. C'est à dire que mon corps a quand même bien récupéré. 58, on va repartir tranquillement. Allez, comment. 1, 2, 3, 4, c'est rien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Good pour la sixième. Good pour la sixième. On est bien. Attends, j'ai même pas mis le temps de repos. C'est bon. Oh. Là, ça va. Tout se passe bien pour le moment. Tout se passe bien. Et je te cache pas, hein. Si je mets de la musique, là, je te fais les choses bien. Si je mets la musique et je parle pas, surtout, là, je fais les choses bien. Parce que, mine de rien, parler, pousser et compter dans la séance, ça épuise de fou. Et là, ce que je fais là, à chaque vidéo programme, à chaque training, c'est une séance de cardio oral. Pour moi, c'est incroyable. Mais ça, je le fais parce qu'on est ensemble, clairement. On est ensemble. Je dois t'aider et je t'aide en faisant les choses bien. Sinon, ça sert à rien de faire des vidéos, clairement. Allez, c'est parti. 57. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Hop. Putain de merde. 7ème. Il en manque 3. D'accord. Il en manque 3. Et après, on fait les choses bien. 3. 3 séries. 30 reps. Tranquille. J'aurais bien aimé faire les 30 direct, arrêter cette vidéo maintenant. Mais ça serait trop facile. Et je vais pas te mentir, je sais pas si je pourrais faire 30 reps. Mais il en reste 3. 3, après c'est fini. Après, ta séance est validée. Et logiquement, hein, après un 10 x 10 reps,
que ce soit pour les bras, les pecs et tout, ta sens c'est fini, d'accord? Ça, c'est clairement la fin. 10 fois jab, pour moi, ça signe la fin. Ou alors, si vraiment t'es un mec chaud, tu fais ça en début de séance. Mais pour les dips, tout dépend de ton niveau en dips, d'accord? Mais pour les bras, les pecs, mets une charge légère si tu fais ça au début, histoire de bien te chauffer. Oh. Ok, une minute. C'est parti. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, on a dit une minute, huit, neuf, dix. Oh. Hors de question que je prends plus d'une minute de repos. Hors de question. Il en reste deux. Les deux, on va se les faire à une minute de repos. Fatigué. Ça fait mal. Mais on est là pour bosser. Clairement. Dans le développement de mes triceps, les dips, si tu veux, ça a contribué longuement. Parce que regarde mon bras comment elle est. Regarde mon triceps. Regarde. C'est cette partie-là, là. Tu vois? Ça, c'est plus les dips. Dips machine, clairement. Et exercice de barre au front qui m'ont fait développer mon triceps comme ça. Faire de la poulie H24, c'est bien. Mais pour moi, ça te fait pas développer tes triceps de fou. Clairement, ça les trace, ça les rend esthétiques. Mais pour avoir la masse nécessaire, les dips, ça aide. Et les poids aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. Et il en reste une dernière. C'est bien ça, il en reste une dernière. Déjà, je crache pas, je suis mort de ouf. Hein. Là, je bluffe tout à l'heure dans la vidéo. Je bluffe. Ça fait mal. On va faire les choses bien. En ce moment, si tu vois que je suis un peu plus tracé que d'habitude, c'est parce que je mange pas beaucoup suite à mes tournages. D'accord? Je suis pas en sèche. Je suis pas en régime. C'est juste que j'ai des tournages toute la journée. Je mange très peu. Je dors très peu. Je perds un peu de muscle, un peu de gras. Du coup, on dirait que je suis waouh, tracé et tout, mais en vrai, je mange pas beaucoup. Et j'ai des répercussions physiques que moi, j'aime pas, mais que toi, tu peux aimer si tu me vois en retour, vidéo. 57, on va arrêter. Bon, là, on va faire des dips normales. Hein. Pas de mouvement de ralenti, pas de truc. Des dips normales, 10 dernières, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. 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 Je m'ai juste montré. Juste pour dire que j'en ai fait 10. Enfin, j'en ai fait 100. Oh. Voilà. J'ai réussi. Ça fait du bien. Attends, je vais couper la caméra. Je te retrouve après, tranquillement. Bon, j'espère que tu as kiffé cette série de 10 fois 10 reps en dips. Moi, je suis éclaté. C'est bon. Je vais manger un peu, me reposer 10-15 minutes et aller à la salle faire les jambes. Oh. Et si j'ai fait une mauvaise séance en jambes, je vais montrer la vidéo à mon frère, je vais dire, regarde, c'est à cause de ça, clairement. J'ai fait deux vidéos, j'ai fait les choses bien. Mais il faut que ce mois de mars, on fasse les choses bien. C'est important. Donc, si t'aimais la vidéo, mets un pouce bleu. D'accord? Mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et aussi à mon compte Instagram. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.